Bonjour les amis, je suis Eniola Mensa et je suis présentatrice télé. J'ai créé la page Eniola Style pour faire la promotion des stylistes dont je porte les vêtements, également la promotion de mes propres créations, des accessoires. Il y a plein de choses à découvrir sur cette page. J'aime beaucoup le foulard et très souvent lors de mon émission, quand je veux apporter du changement ou marier les couleurs avec mes vêtements, je mets un foulard ou parfois lorsque je veux changer un peu au niveau coiffure, je mets un foulard. Vous êtes nombreux à avoir demandé comment tu nous tes foulards, et bien aujourd'hui je vais vous montrer une ou deux étapes de la façon dont je noue mes foulards. Par exemple, là je porte une robe avec des reflets roses. Quelle est la couleur du foulard que je dois porter? Et bien c'est un foulard rose que voilà, il est très grand. Alors pour le porter c'est très simple, il faut d'abord le plier en deux dans ce sens là comme ça, et dès que c'est fait vous prenez une partie du foulard que vous allez passer sur votre tête comme ça. Ensuite, vous faites ce jeu tout simple. Vous passez le foulard des deux côtés, vous serrez avec le bout du doigt. Et maintenant, je vous montre une manière de faire. Vous allez plier le foulard d'un côté comme ça. Il ne faudrait pas que ce soit trop serré. Dès que c'est fait, vous bloquez et vous faites la même action de ce côté. Hop, 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 hop. Là, c'est parfait. Ensuite, vous joignez les deux bouts comme ça. Vous pliez tout doucement et vous accrochez. Vous pouvez juste repousser le dessus et tada! C'est super top, n'est-ce pas? Vous pouvez également nouer le foulard d'une autre manière. On va défaire et cette fois-ci, on va aller dans le sens contraire. On rassemble tout comme ça et on va plier en faisant ce geste tout simple, voilà, il ne faudrait pas trop serrer, on plie jusqu'au bout et dès que c'est fait, on va faire un nœud devant comme ça, ça fait un beau rond. Et voilà, une autre façon de nouer le foulard avec le même foulard. C'est super top avec la tenue que je porte. Je vous montrerai encore d'autres manières de nouer votre foulard très très bientôt. Mais vu l'impatience, il fallait que je le fasse. C'est top, n'est-ce pas? Vous pouvez visionner la vidéo plusieurs fois, partagez-la, apprenez. Et à très très bientôt les amis. Bye!